Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle série, cette nouvelle vidéo sur Ark. Donc on va reprendre ce jeu, pour ceux qui savent, qui me suivent depuis très longtemps, j'ai fait quelques vidéos dessus avant d'être dégoûté par le fait que quand je me déconnectais, je me faisais bouffer. Du coup, on va créer un personnage. Voilà, il est créé. Faut savoir que j'ai juste appuyé sur aléatoire pendant quelques secondes. On crée le survivant, on part dans la zone 3. Faut aussi savoir que j'ai tenté une partie sur la zone 2. Je me suis fait bouffer par des raptors niveau, par deux raptors niveau 4 et un Dilophosaur autour de la zone de spawn. C'était génial. Le Dilophosaur était de niveau 8. Bref, du coup, on repart avec un nouveau personnage et c'est parti. Donc le branchage et le bois du départ, hein. Il va me falloir aussi une pierre, un caillou. J'ai donc une pioche, pioche qui va me permettre de récupérer masse. Mais alors véritablement masse, branchage sur les arbres. Voilà. Et donc on va commencer à récupérer aussi des fibres sur ces plantes. Avec les berries qui vont avec. Petite baie. Level up déjà, ça va vite. Le début d'une grande aventure, chers amis. On va donc aller récupérer normalement la pioche, la hache, pardon. La hache, après avoir mis un point de poids, pour pouvoir transporter plus de matériaux, on va donc récupérer la hache. Et je vais prendre la lance en bois, histoire de pouvoir me défendre en cas de nouvelle attaque. Pardon, j'ai cru voir des choses au loin. Il va donc nous falloir plus de silex pour pouvoir faire la suite de notre équipement. Silex récupérable dans les cailloux. Grâce à la pioche. Et hop, on a déjà ce qu'il faut. Alors un peu plus de bois. Et on sera bon. On récupère le bois. Grâce à la hache. On peut donc faire ensuite... avec un silex en plus. Notre petite lance, première lance, va être très 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 pratique. On va attendre un petit peu, elle va être rapidement faite. Crac. On est bon. Ça, c'est fait. Ça a l'air d'être un rayon blanc, ça a l'air d'être un rayon bleu. On va se diriger vers le blanc qui pourrait nous apporter un objet intéressant. Level up. Génial. On récupère donc, toujours un point en poids, le feu de camp. Et est-ce que je prends la gourde? Pas pour l'instant. La gourde, je pense pas que j'en ai besoin pour le moment. On aura besoin plus tard, mais à ce moment-là, on sera capable de la prendre. Je vois un dodo. Il ne m'agressera pas. On se rapproche. En soi, on se rapproche. Ce qui m'inquiète plus, c'est les bestioles qu'on va trouver autour. La lance. Ok, vous avez chaud, vous êtes fatigué. Arrêtez-vous un instant pour regagner votre énergie. Eh oui. Je m'arrêterai quand je le pourrais. Techniquement, quand il y a autant de cris, ça veut dire que la vie est présente, mais qu'elle est aussi très sereine, non? Comme ça que je l'imagine. Oui. Wow. Explorer note. Génial. Et Elena, waouh, jolie, elle a dessiné des mangas, cool, c'est mignon. Je vais pas le lire, ça m'intéresse pas trop de le lire en fait, ce qui m'intéresse plutôt c'est la survie, j'ai gagné des levels apparemment. 4 points, j'ai gagné 4 levels, ok, bon, 1, 2, 3 en poids, et on va mettre 1 en plus au niveau de la vitesse. Voilà, ce qui fait que j'ai gagné plein de levels ici aussi. La maison. Ok. Et j'ai encore 24 points. Mortier pilon, narcotique. Voilà, et le début de l'armure. Génial. Je sais pas si... Je prends l'armure en fait sous prétexte que... l'armure me... Ah oui non, c'est le coffre qui est arrivé. Excusez-moi, j'ai eu peur. L'armure me permettra de... Enfin, ce sera peut-être obligatoire en fait pour construire les armures de niveau suivant, simplement. Hein. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils et des astuces. Un dodo. Ça devait être une ombre.
Ravitaillement. Vous êtes déshydraté, oui, je m'en occupe. Il y avait déjà tout ça dedans, quoi. Ok. Je suis pas encore surchargé, c'est cool. Ça veut dire qu'on s'en sort pas trop mal. On va essayer de descendre jusqu'à la flotte le plus rapidement possible. Même si je suis sévèrement déshydraté, apparemment. Et que ce ne sont que des falaises. Génial. Donc je vais décéder bêtement. Voilà, je me suis suicidé. C'est pas grave, on réapparaît. Et qu'est-ce qu'on fait? On évite l'agression. Voilà. Et on va aller chercher notre cadavre. On retrouve notre cadavre. On récupère tout. Et on est tout bon. Donc, on va pouvoir commencer. Question. Excellent. Excellent. Donc je disais, on va pouvoir commencer notre maison. Et ça, c'est assez cool. La question est de savoir, est-ce qu'on l'a fait près de la plage? Merde, j'ai aussi fait trop de toits vu que j'en avais trouvé quelques-uns. Dommage, gaspillage de ressources, Marcus, là c'est pas top. Bon, c'est un peu terre à terre, hein. On vient un peu à même le sol. Mais tout va bien. Tout va bien. J'en ai profité pour construire aussi, on va se planter, une arme supplémentaire. Ça c'est cool, ça va être grandement utile. Il faudrait un feu aussi, ce serait pas mal que ça. Oh, bah, c'est à côté complètement. Ok. Bon. Cool. Level up. Ok. Bon, tant mieux. Encore deux levels, wouhou. Vous savez quoi? Je vais considérer que j'ai gaspillé 2 points en vitesse. Je vais les mettre en énergie. On va mettre à des plus efficaces. Ok. On a donc 23 points, ce qui est absolument énorme. Et sur le cul. Du coup, je me demande si ces 23 points ne devraient pas être utilisés de manière correcte. Celle de Parazor. Celle de Fiomia. Et celle, ça pourrait être intéressant assez rapidement si vous me dites plus ou moins à quoi ça ressemble, quoi. Mannequin d'entraînement, celle de Carbonemis, d'accord. Ça par contre ça m'intéresse. Ah 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 ah. Sac de couchage. Ça. Ça aussi censé être important. Ah. Ah voilà, je craque, tant pis. Je préfère mettre ça là. On a des points. Il y a un petit truc qui est au pied de ce truc. Je crois que c'est un petit voleur. Non. What? Mais quoi? Touché. Oh, touché. Cool, il est inconscient. Accéder à l'inventaire. Bouffe mes narco-berries. Et bouffe ma viande. Ça marche pas comme ça? Ça marche pas comme ça. Merde, moi qui pensais que ça marche. Ah si, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Il vient de manger quoi? Ouais. Trop fort. On est trop fort, chers amis. On est les meilleurs. C'est une femelle. Ouais. Je vais avoir une Dilophosaure avec moi dès le début du jeu. Mais c'est génial. Normalement, quand elle va relever la tête, elle va se nourrir une autre fois. Voilà. Dilo. Dilomater. Voilà. Et là, ce sera la première femme. Bien un ou deux petits poissons, mais je pense que je vais plutôt partir à la chasse au dodo. Tu la graisses ou... Bonjour monsieur Trilobit, excusez-moi de... Tu regardais. Ok, autant pour moi.
chitine. Intéressant. Pétrole, carrément. Level up. On va le remettre dans énergie. On a 19 points. On va récupérer donc par conséquent. Alors les fondations en bois, tout ça en bois, ça serait extrêmement intéressant pour le moment. Et je ne sais pas si c'est utile à l'heure actuelle. En tout cas, je vais mettre, moi personnellement, 9 points dans le petit carré de culture, 2 points dans la flèche. Deux points dans la longue vue. Et 6 points dans la torche. Allez! Allez! Voilà! C'est ça qui est bon! Bonne Fifi! Le mange pas, il est mort! Ok, t'as récupéré ce qu'il fallait. Cool. Je te laisse la moitié de la bouffe en cadeau. Je sais pas si ça te sert. Le feu est allumé, la viande y est mise, on va pouvoir commencer à se nourrir proprement. Il y a du mieux qu'on peut. Il y a déjà ça. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à tout ce qui est vêtements. Hein. On est un peu à poil. Et peut-être aussi à tout ce qui est mortier et narcotique. Donc pour les vêtements et tout ça, on va récupérer un maximum de fibres. Par contre, évite de me chier devant le nez aussi, c'est une habitude que vous allez prendre tous là. C'est bête d'être coincé, hein, mais t'es niveau 20. Et ça me plaît. Elle a level up. Elle aussi, elle level up. Si ça, c'est pas cool. Tu vas prendre du corps à corps à foison, toi, par contre, un bonhomme. Hein. T'es gentil comme tout, dis donc. Ouais. Dommage que je puisse pas te caresser, toi, j'aimerais bien. Ok, où en est la viande? Cool, c'est en train de se faire. Meurs pas! Ah, il m'en veut à moi. Hein. Il m'en veut à moi. T'as pas suffi ça? Voilà. Merci mon ami. Merci. Tu as été d'un grand secours. On va récupérer des dents, des peaux. Mais par contre j'ai perdu une lance. Non? Dans l'histoire. Bon c'est pas grave. Non c'est bon je l'ai récupéré. Attends pour moi. Ok on a donc récupéré plus de peaux encore. Ce qui me permettra de faire aussi ce fringue là. Une fois que j'aurai récupéré une fois des fibres. Juste une fois. Moi qui viens de faire ça ou... Oula, je me les gèle. Hop là. Eh bien, Simon. Rentre à la cabane. On s'équipe pour avoir un peu moins froid. On va lancer le schéma en question. La nuit, je sais pas trop ce que je dois faire, vu que je suis littéralement en train de crever de nuit hein, quand je sors. Hein, j'ai tellement... Coucou, toi. Ah, désolé. Level up, je suis allé casser du bois pour pouvoir level up à coup sûr. Tac, il y a des drôles de lumière sur la plage, c'est bizarre. Et apparemment, il fait moins froid. Coucou. Du coup, j'ai mon level up. Je vais peut-être le rajouter encore une fois en énergie. On verra ensuite. En tout cas, on a surtout de quoi... Cage en bois, tiens donc. Emprisonner vos victimes, pourquoi pas. Bouclier en bois, ça pourrait être extrêmement intéressant.
Tout ça pourrait être extrêmement intéressant. Il y a l'arc qui m'intéresse aussi énormément, mais je n'ai pas le lance-pierre déjà de base. Peut-être que je vais donc partir sur le lance-pierre pour commencer. Et la gourde alors. Voilà. Est-ce que j'ai suffisamment de peau sur moi pour faire une gourde? Non. Ah ben, mais essayez de le capturer. Dites-moi ce qui est intéressant à capturer. Est-ce que c'était intéressant à capturer comme bestiole, ça, par exemple? Décomposition, mort. Ok. Bon bah. Du coup, j'ai un peu plus de peau pour ma gourde. Faut beaucoup plus de peau par contre pour pouvoir faire ça. Sans compter ceci. Graines de pommes de terre. Alors ça doit être pratique. Ça doit être super pratique. La bouffe comme ça, c'est bon signe. En tout cas les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite de nos aventures. Salut les gens et yop !